festival pluriel. Rouen première, j'ai traîné ma carcasse de Quimper jusqu'au Soliel. Bottes de 7 lieues dans le cellier, matelas sont sommillés, fuyant l'usine, la pluie l'hiver. Mais qu'est-ce que je fous là? Des autres, la haine du foulard, j'aime pas la taille de mon boule, vont détester mon boulard. Je suis fer obèse, prolo des terres à démonter la boom bap. Aujourd'hui, je ne veux pas dormir, enfin, je suis arrivé en France. C'est un chemin que tout le monde peut choisir, c'est mon rêve depuis mon enfance. C'est incroyable, je vous le jure, moi et mes amis, nous sommes des fans de l'indépendance. Le passé reste toujours un souvenir, c'est pour cela j'espère arrêter ma souffrance. Aujourd'hui, je ne veux pas dormir, je dois profiter de cette nouvelle chance. Je suis heureux, je suis tranquille, quand même je vois le sourire de ma fille et le bonheur de ma famille. Et je me sens seul sans ma fille. Je suis étranger, je ne suis pas chez moi, mais quand même, j'ai tourné mes droits. Je veux clamer mes droits. Grâce aux photos, nous avons des souvenirs. Grâce aux photos, nous avons encore les mémoires à nos proches décédés. Il faut profiter chaque moment avec nos familles. La famille, c'est un don important, la famille, nous savons pendre les valets, les amours, la fidélité inconditionnelle. Chaque vacances avec la famille, nous savons, c'était extraordinaire. Nous savons apprendre à découvrir les différents pays, l'Italie, les États-Unis et le Brésil. Avec tout l'amour, la République Dominicaine. Je suis en France des plus âmes. J'aime ce pays. Mon fils va au collège, il a des amis. Nous sommes allés en forêt avec Françoise, Laurent et Rosie. Ce sont des femmes carmentes qui ont organisé des vacances pour nous, enfants. Merci beaucoup pour cela. J'aime la musique, la danse et le sport. Tout cela est dans ma vie, tous les jours. Comment ça va? Ça va, ça va. Et toi à Gaza, à Ramallah, à Raqqa? Le ventre vide, la peur au ventre, les jours sans fin, les nuits de faim. Le mot humanité, des dictionnaires rayés. La loi du plus fort, toujours, encore. Masqué, marqué, d'hypocrisie généralisée. De paroles vaines, de coups en chaîne. Comment ça va? Pas ça va, pas ça va. Inversé, retourné, enterré, assassiné. Des milliers d'humanité. Des milliers d'humanité. Des milliers d'humanité. J'ai quitté la grande ville pour voir la petite ville. Je me suis réfugié dans l'amour à plusieurs reprises. J'ai un avenir, je peux apporter du bien-être et de l'harmonie dans ce monde d'envieux, de jalousie et d'hypocrisie. J'essaierai de me construire en m'accrochant à un seul pilier, l'amour. Année 2016, un nouveau amour est rentré dans ma vie. Si c'est pas... Et c'est ma plus grande fierté, mon enfant. C'est mon ange gardien qui me permet de rester responsable et je me dois de lui montrer l'exemple. Aujourd'hui, je veux me reconstruire en paix et je dis non à la toxicité. Culpabilité, reproche, jalousie, désespoir, et je banne tous ces sentiments qui sont dans un cercle vicieux sans fin. Aujourd'hui, je vais vivre, être fier de mes compétences, avoir la joie, retrouver mes passions. Je ne suis pas seul, j'ai un amour sincère dans ma vie, celui que je donne et que lui il me donne. Mon enfant, je serai forte pour toi, pour qu'on puisse vivre, qu'on apprenne ensemble comment se sentir bien et surtout qu'on s'aime. Je suis femme forte, je pourrai apprendre à me connaître, je suis persévérante,
Mais si je ne sais pas de ce que je veux faire, mais ce qui est sûr, c'est que je veux être en positive attitude. Je viens du 9-3. Des critiques, des mensonges, l'utilisation de chacun pour son propre intérêt, voilà ce que la société nous montre tous les jours. Les contes d'amour, ça n'existe plus de nos jours. Et si on continue à vivre comme ça, et on continue à vivre comme si de rien n'était. Je ne suis pas revenue dans ma ville natale, mais là où je suis, je me sens accueillie et je me sens capable d'être parentale. Je ne suis pas un robot, mais je suis un être humain.